Donc, pour être accepté dans le programme, il y a 5 prérequis. Le permis de conduire canadien valide, les 2 cours de premiers soins, un de RCR niveau C et un premier soin général, un cours de 16 heures. Il y a le cours de radio VHF et finalement la carte de conducteur d'embarcation de plaisance. Et pour faire partie du programme EEC, d'abord, il faut faire une demande en ligne. On postule pour 3 endroits à travers le Canada. Une fois que les endroits ont été sélectionnés, on reçoit des demandes d'entrevue. Dans mon cas, ça a été pour Québec. Une fois que les demandes d'entrevue sont faites, on doit passer à cette entrevue-là un examen théorique sur tout ce qui est la navigation. Une fois que l'entrevue est faite, on est en attente jusqu'à temps qu'on se fasse confirmer par le coordonnateur du programme si on est invité à un stage, normalement qui se déroule au mois de mai, qui est environ d'une durée de 2 semaines. Et c'est durant ces 2 semaines de stage-là que l'on est formé pour l'emploi pour l'été.